amis poissons, on se retrouve pour votre agenda de la semaine avec le tarot de Marseille, le petit Lenormand et un message complémentaire du grand oracle des mots. Merci tout d'abord pour vos likes, pour vos abonnements et évidemment pour vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette nouvelle vidéo. La tour et les oiseaux. Il y a des discussions ici. On retrouve deux fois la tour, donc d'organisme à organisme, de vous vers un organisme. On est dans une situation, je dirais, avec cette maison Dieu, où un homme peut venir discuter avec vous de quelque chose qui nous parle de situation inattendue. Comme s'il y avait à gérer un problème, un coup de foudre ici qui est venu abîmer quelque chose et on en discute avec une administration ou une structure ou par rapport à un logement. Vous pouvez prendre la foudre sur le toit, hein, je ne vous le souhaite pas. Évidemment, je préférerais le coup de foudre, c'est beaucoup plus doux. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour ce lundi. Pour mardi. La justice. Vous voyez l'organisme ici? Là, on a le rendez-vous de justice ici, avec un homme ou une femme importante. Quelqu'un qui doit venir équilibrer, probablement un homme qui doit rendre un verdict, qui doit faire un bilan. Et tout ça se passe sur l'extérieur, en rendez-vous. Il y a plusieurs personnes avec vous. Mercredi. Nous avons cette idée d'incertitude, de confusion en relation avec la santé, par rapport à des discussions. On est plutôt sur une situation d'incertitude où l'émotionnel est très présent. Et je dirais, pour une femme en particulier, hein, question de santé, question de mental aussi, par rapport à une situation qui est... non pas traité et géré, mais qui est au programme cette semaine. Pour le jeudi. Ah, une petite opportunité sympatoche. Bah oui, puisque avec ce choix, on ne choisit pas entre la peste et le choléra, on choisit entre le bonheur et la satisfaction. Donc ici, je dirais qu'on arrive à dégager quelque chose de positif vis-à-vis d'une décision que l'on prend. Et ça va nous amener à la clôture d'un dossier. La clôture peut être au niveau médical, la clôture au niveau d'une situation, même relationnelle, pourquoi pas, mais plutôt positif. Vendredi, on a notre ermite ici, hein, qui nous parle d'examiner des situations, qui nous donne une idée du fait qu'il ne faut pas se presser ici, parce que on va prendre seul une décision, peut-être avec l'aide d'un thérapeute, remarquez, mais en relation avec l'administration que l'on avait lundi, par rapport à un engagement, un contrat, un accord ici. C'est une semaine, je dirais, importante. Ben oui. Importante ici, avec en ligne de mire un homme ou une femme. Et ça nous parle de médecin, ça nous parle aussi de transactions financières. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est discuté toute cette semaine. C'est à peu près le même domaine, hein. Pour certains poissons, évidemment. Pour d'autres, ça touchera un autre domaine. Mais là, pour moi, il y a vraiment ce domaine de la santé qui est assez flagrant. Vous me direz ce qu'il en est, mes amis poissons. Et pour le week-end, étoiles et lettres, on est bien. Pourquoi? Ben parce que là, le médecin envoie quelque chose, on a la protection, on a un courrier qui nous parle de transactions financières, il y a aussi la protection. Il y a eu de votre part de l'investissement en temps, en énergie, peut-être même en argent. Et là, on vous renvoie un message pour vous dire où vous allez être remboursé, où il y a quelque chose comme un certificat, un document hyper important ici pour vous. Avec passion, c'est une situation évidemment qui ne vous laisse pas indifférent.
C'est une situation où vous mettez une énergie vraiment, véritablement importante dans la réalisation de cette situation, de ce projet, de ce bilan, ce jugement qui doit être fait. Dans tous les cas, ici, vous pouvez aussi, évidemment, ce samedi, dimanche, recevoir une lettre enflammée d'une personne de votre cœur. Alors, peut-être pas une lettre, mais un petit SMS. C'est ce que je vous souhaite, mes amis poissons. Je vous dis à dimanche prochain.